fourmi.com. Donc on va télécharger une police de caractère. Alors, je sais pas s'il y a plus d'options. Dans une GPM là. Et en fait, il faut que ça soit en TTF. Alors, si on télécharge celle-là, la Bouncy, elle est en OTF, donc c'est pas bon. Donc, si on prend celle-là, la Badaboom, elle est en TTF. Donc là, cette police de caractère, on va l'exporter, on va l'importer dans Fusion 360. Donc on cherche dans Spotlight livre de police, livre des polices, pardon. Et là, donc, on veut rajouter. Badaboum. Le problème. Non, c'est pas le problème. Bon, ben celle-là, elle passe pas. Elle passe pas toute, hein. C'est là où est le souci. C'est celle-là. Connect Trips. Sachant que je ne sais absolument pas si elle est en TTF aussi. Donc, pareil. On retourne sur police de caractère. Et là, on va sur commit prips. Utilisation. Ok. Ok, donc c'est pas possible. Ça là non plus. Alors je vais retourner dans Cartoon. Tiens, celle-là, la Cherry. Ah, est-ce qu'elle est en TTF? Oui. Donc toujours pareil, on prend le livre police. On prend celle-là, hein, 16 kilos. Voilà, donc celle-là, elle passe. Donc là, vous avez la police de caractère qui est sur l'ordinateur. Donc maintenant, on retourne dans Fusion 360. Donc là, ça va pas fonctionner. Il faut redémarrer Fusion 360. Voilà, donc quand on est sorti de Fusion 360, on relance. Et donc la dernière était la police de caractère Cherry. Alors, ok. Donc là, si on fait un texte comme on voulait tout à l'heure, bon, le but c'est de faire un texte avec toutes les polices de caractère que vous voulez. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois que je crée un texte. On va recommencer. Voilà. Test, je le mets en bold et là je vais chercher ma police de caractère qui a dû être chargée. Je OK. Extraire.
Et là, il n'en veut pas. Et je ne sais pas pourquoi. Chaque fois, il me fait une erreur. En fait, je pense. Alors, peut-être que c'est parce que les lettres, elles sont. Ouais, je pense que ça doit être ça. Faut faire des espaces entre les lettres. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais juste créer une lettre. Lettre A. Oh. Et on va voir si ça, si ça fonctionne. Et ben là, ça marche. Et donc là, vous avez votre A. Voilà, en fait, si vous voulez faire un texte complet, il faut mettre des espaces. Je recommence. Là, si je mets test avec des espaces, toujours en chez line, si je peux extraire, là ça va aller normalement. Alors on va le faire en 5. Voilà. Donc maintenant on va essayer l'autre police de caractère. L'erreur vient de là, donc. Alors, on avait pris quoi? On avait pris Badaboum. Badaboum. On va faire. Voilà. Voilà. Donc vous voyez toutes les polices de caractère. Alors, suivant les polices de caractère, il faut mettre des espaces ou pas. Après, rien ne vous empêche de les comment dire, de rapprocher les lettres.